What the fuck, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas joué à Tekken depuis le 3, depuis quand ils se battent comme dans Power Rangers? What the fuck, je savais pas qu'il y avait des teams, même si je sais que certains sont gentils et d'autres sont très méchants. Est-ce que tu savais que j'avais fait une voix dans la BF du manga qui est sur ton Netflix, mais c'est pas très bien. C'est moi le Lascar à casquette qui dit ta place est ici avec les animaux. Dans le premier épisode. Comme ça, c'est pas très long. Merci Borvor 28 pour un an et demi de bons et loyaux services. Ça tombe bien, Vorvor 28 pour 18 mois, pour Tekken 8. Et oui, il est là. Alors, cache pas que ici on est 13 Team Street Fighter, mais celui-ci, il m'a bien plu de loin. Parce que je vous explique. C'est un rang. Tekken, toujours pas bougé depuis le 3. Sur PS1. Énormissime dinguerie. Mais pour moi, Tekken 3, c'est vraiment le seul Tekken qui passait au-dessus de Virtua Fighter. Vraiment, moi j'étais team Virtua Fighter. Virtua Fighter 2, incroyable dinguerie. Oh merci Zolo, installe-toi. Genesis, 58 mois qui rajoute un mois en plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle qu'on est sur une chaîne 70-30, donc vos abonnements comptent. Plus que d'autres. Enfin, plus qu'Amazon, en tout cas. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Alors que Tekken 3 est tout cassé niveau équilibrage. Ça n'a rien à voir. Non, mais genre, il n'y a pas de... Genre, est-ce que c'était e-sport? Est-ce que c'était équilibré? Personnellement, j'avais 9 ans. On s'en foutait totalement. Il y avait un grand frère intuable dans le groupe de potes. Et puis, après, que des enfants qui s'amusaient. Parce qu'en fait, les jeux de baston, c'est censé être fun et pick-up and play. Il faut oublier votre carrière d'e-sportif. Elle n'existe pas et elle n'a jamais existé. C'est-à-dire que même si t'as cru que t'étais le roi de la fête foraine sur Street Fighter 2, tu vas faire un séjour au Japon 30 ans après, tu prendras pas un round de l'après-midi. Et donc, mais ça c'est un espèce de fil rouge. Genre arrêtez de croire que vous aviez une carrière dans l'e-sport sur Tekken 3. D'ailleurs, par contre, le champion français de Tekken 3 avait gagné une Harley Davidson. Ça, c'était cool. Pour ne pas performer au championnat du monde. Mais bref, de toute façon, notre seul trésor national sur Tekken, hein, enfin, notre plus grand trésor national, parce que j'imagine qu'il y a d'autres champions que je connais pas, parce que je m'intéresse peu à la scène, c'est quand même le génius. Donc, Tekken, pour moi, c'était surtout le 3... Parce que techniquement, graphiquement, au niveau de la musique, des persos et tout, et de la jouabilité, de prime abord, genre vraiment, tu lances le jeu, tu te marres un peu. Cavalier, le chevalier d'or qui va nous coacher. Installez-vous, messieurs. Alors, comme je disais, Tekken 3, pour moi, c'était le côté claque, genre, what the fuck, c'est quoi cette PlayStation qui s'énerve comme ça, alors que j'étais plutôt sur Virtua Fighter 2. Sur Dreamcast, bien sûr, Soul Calibur règne en maître. Puis, étant adepte de la GameCube, en fait, j'ai joué à Soul Calibur 2. Encore une fois, oubliez vos carrières e-sportives. Hein, genre, si vous n'êtes pas Kayané, ça ne nous intéresse pas. Ah, hein. Oh, je suis désolé, oui, j'avais vu sur Twitter que ton PC ne voulait pas du jeu. Voilà, Mira passe le temps, mais c'est quoi cet effet C'est quoi cet effet Tekken 8? On se fait hoster 6 fois en début de stream, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait très plaisir pour clôturer ce mois de janvier. Et du coup, comme je disais, Tekken 3, dans l'histoire hein, de Tekken, pour moi, Tekken 1 et Tekken 2, c'est un peu des ersatz de Virtua Fighter. Surtout que Virtua Fighter Kids et 2 sont excellents. Virtua Fighter 3, bon, bah, sur Dreamcast, il vaut pas un pet de lapin face à
Soul Calibur. Mais pendant un petit laps de temps, c'est vrai que Tekken 3 était la star des cours de récré. Et donc, t'allais chez des potes, ils avaient tous Tekken 3, et tu dosais Tekken 3, que t'aimes bien les jeux de baston ou pas d'ailleurs. Bref, et ça c'était la grande force de Tekken 3, avec des modes de jeu totalement débiles, genre le volleyball, et un mode de jeu beat'em up, quoi. Enfin, c'était vraiment trop bien. Donc, la générosité. Le truc, c'est que, arrivé sur GameCube, moi je joue à Soul Calibur 2. J'ai pas une PS2, et surtout, je sais pas quand. En fait, avec la sortie de la PS2, si je me souviens très bien, il y avait la sortie de la PS2, on teste dans un dog game avec un pote Tekken Tag Tournament, je trouve ça à chier. Je trouve très très beau, très très propre, mais alors putain, j'avais l'impression d'être retourné dans le passé. Enfin, franchement, surtout que 50 Hz, hein. Soul Calibur sur ma Dreamcast lui mettait la misère. Donc, ben finalement, pas triste, genre je ne regarde pas les Tekken avec envie. Surtout quand je vois que les animations, les mecs se déboîtent toujours le bassin pour mettre des lariates et des roundhouse kicks. Même si de toute façon moi j'aimais toujours les jeux de baston avec des gros gimmicks comme Bloody Roar. Du coup même ouais, par exemple sur GameCube, c'est vrai qu'un des premiers jeux que j'ai acheté c'est Bloody Roar. Du coup la meilleure version de Bloody Roar. Du coup ce qui s'est passé c'est que bah, Tekken je les ai un peu laissés de côté. Arrive Tekken Next Gen, mais c'est pareil, je préfère me ruer sur Soul Calibur 4 à l'époque plutôt que de me dire tiens j'essaierai bien Tekken 6, sachant que Tekken 6 il avait quand même un truc. C'est qu'il était vraiment plutôt beau, et en plus, sa collector avait tellement bidé que pour 3 francs 6 sous, tu pouvais acheter son stick, là, sans fil, pour Xbox 360, je sais que vous l'avez chez vous, c'est le stick arcade que tout le monde avait, dans un coin, là là là, 2 piles, et c'était le stick arcade pour la génération le plus abordable. Donc tout le monde en a un chez lui, il a été pendant longtemps la vedette des bacs à soldes, mais j'y ai joué une fois. J'y ai joué une seule fois. Donc autant vous dire que Tekken n'est pas ma sauce. Mais ce Tekken 8, il porte en lui la promesse d'un vrai jeu next-gen, d'un nouveau moteur, d'un nouveau départ. Et après la dinguerie qui a été Street Fighter 6, même si il y a un petit côté douche froide, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu, en ce moment, les gros joueurs de Street Fighter 6 ont une espèce de lassitude par rapport au système de Drive Impact. Et c'est vrai que, du coup, les matchs peuvent... Oh, pourquoi je peux tourner, là? Eh, mais vas-y, ok. J'utilise la sauvegarde automatique. Comment je fais autre chose? Il est en chargement, là, le jeu? Ah ouais, ok. Tout ça pour dire que effectivement Street Fighter 6, là, il y a un petit... il y a une espèce de petite gueule de bois. Même si j'adorais la sortie du jeu, hein. Il y a une petite gueule de bois en ce moment sur Street Fighter 6, ce qui fait que Tekken 8 a un petit boulevard avec en plus son nouveau moteur, des graphismes du feu de Dieu. Et quelque chose d'assez sympathique qui devrait se produire sous nos yeux. Et en fait, j'ai pas eu envie de tester un Tekken depuis tout ce temps. Donc la hype est là. Alors, Virtua Fighter 5 aussi incroyable hein, sur 3-6. Hein. Mais bon, en fait, le problème de Virtua Fighter 5, c'est qu'il atteint une espèce... Il me propose Benzoui de base. Virtua Fighter 5, il avait atteint une espèce de sérénité, de perfection dans sa 3D, dans sa jouabilité, son équilibrage, son machin. Et en fait, il n'y a plus besoin, en fait. Il n'y a plus besoin... Enfin, genre, en fait, ils se sont auto-tués. Ils font eux-mêmes le tour. Alors regardez, Tekken, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que les gens savent des trucs. Alors oui, comme... Alors je tiens à dire, merci Makito pour les 5 mois. Je tiens à dire que je fus gratifié d'une clé PS5 et donc j'ai peut-être les t-shirts pour Avatar et les pantalons et tout, on va pouvoir faire des trucs. De toute façon, si on peut créer un Avatar, c'est incroyable. En tout cas, ils sont très fiers de leur modèle de Kazuya. Mishima. C'est-à-dire que Tekken, hein, par contre, attention, hein, genre, c'est moi qui ramenais la cassette chez les potes pour regarder l'animé. J'étais quand même. Enfin, c'était un truc de. C'était un phénomène. Merci Silentiste pour les 31 mois, mais c'est totalement fou!
Même si, voilà, en fait, quand je voyais les combats à très haut niveau de Tekken, avec ses repêchages infinis, le mec, il lèche le sol, et puis il se fait repêcher, ça a l'air... c'est un peu décourageant. Alors, on a de l'histoire, on a des épisodes, le salon de combat, laquelle... Je ne sais même pas quoi foutre. L'histoire de mes pecs. Alors, j'imagine qu'il y a une histoire exprès... Ah oui, l'histoire personnelle et l'histoire des personnages. Parce que moi, j'aimais bien pas mal de... de nouvelles techniques de combat spécial style. Le spécial style peut être activé avec ou désactivé avec L1 à tout moment. Servez-vous de spécial style pour vous habituer aux commandes. Carré pour lancer un hit engager idéal pour jouer de manière offensive. Si t'es déjà activé, utilisez un hit dash automatiquement. Appuyez simple. Waouh, mais attendez, vous voulez pas mettre ça en lumière mieux? Le tuto dans le mode arcade quest avec ou sans spécial selon ton envie. Le spécial style. Appuie sur carré pour changer de salve d'attaque. Mais du coup, le spécial style, c'est un espèce de mode auto-combo. Et sur triangle pour un combo de départ. Non, non. Ouais, facile. Alors, combien il y a de persos? Brian Fury. Brian Fury, vous savez qui joue? Putain, ça, faut que je le mette dans l'anecdote d'un futur short. Vous savez qui joue Brian Fury dans le film Tekken? Putain, faut que je le rajoute, ça, faut que j'y pense. Brian Fury est joué par Gary Daniel, alias Ken le survivant, alias Ken Master dans le film City Hunter avec Jackie Chan. C'est un rang. C'est quand même... Ça s'invente pas. Warori Rayman, 48 mois, 4 ans de bons et loyaux services. 4 ans, ça nous ramène jusqu'en 2016, hein, parce que nous sommes toujours en 2020 ici. Merci beaucoup Clément Tex. Pour 21 mois, merci beaucoup d'être là, présent sur Tekken. Alors il y a Jin, il y a Yoon, Kazuya, King, Kuma, Lars, Marshall Law. Pour, il a pris cher. Hein. Lee, Leo, Leroy Smith. Alors j'ai eu le grand plaisir de voir Thierry Desroses doubler ce personnage pour l'animé en français. Thierry Desroses, hein, la voix mythique. Légende vivante, VF de Samuel L. Jackson, bien sûr. Panda. Ouah, Paul, mais qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Là, ça, c'est Paul, vous savez qu'il ne bande plus. Parce que ses cheveux ne sont plus très droits. Raven, hein, la classe, Shine, Steve Fox, Victor Chevalier. Alors, c'est Vincent Cassel, du coup, peut-être qu'il sort aussi avec des adolescents. Yoshimitsu, Zafina... Ok, ça fait beaucoup de persos, hein. Alors, attends, il n'y avait pas Eddie Gordo. J'ai vu un trailer avec Eddie Gordo, vous allez pas me la faire. Moi, j'ai toujours aimé à quoi il ressemble, Jack? Il ressemble à rien. J'ai toujours aimé l'arc de Jack. Et l'un des persos pick-up and play du plaisir, c'était quand même le coréen, Hwarang. Eddie, c'est le premier DLC. Putain, bien joué, hein. Alors Tekken, c'est quand même incroyable parce que ça arrive quand même à en faire des caisses à un niveau absolument maximal. Et tu te retrouves avec des démons légendaires invincibles ressuscités 1000 fois. Mais ça les empêchera pas de se prendre des balayettes à l'infini et de lécher le parquet. Y compris contre un panda. Ah ouais, c'est joli, hein. C'est beau comme tout. Waouh, mais attends, mais comment tu es rentré avec cette moto? Pour le niveau de détail. La mezcla de son scène est géniale. Tu también lo crees, non? Ouais, elle part comme karaté. Alors, attention, je n'ai pas joué à Tekken depuis 6000 ans. Est-ce qu'il a toujours ron 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 petit patapon? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, on a un perso. Ron 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 petit patapon. Ok, c'est bon. Et la shop à la Namco avec deux boutons.
Bon alors déjà, hein, là c'est la première fois que je joue, que j'ai fait aucune bêta ou quoi que ce soit, ou que sais-je. Hein. Faut pas oublier le plaisir de jeu quand même. Hein, genre regardez, personne ne se vante d'être incroyable à Dead or Alive, sauf Kayane. Mais Dead or Alive c'est toujours aussi bon. Get ready for the next battle. Moi je suis pas... C'est... Je sais pas si c'est le Tekken des boomers, mais en tout cas il fait... Mais qu'est-ce qu'il a Sam Fisher là, il... Tu te bats avec un lance-grenade, c'est normal. Ton taekwondo n'est pas l'art martial ultime, puisque... Un coup de lance-grenade et c'est fini. Enfin, 50, ça donne que... C'est 50% de health. On la chope facile, hein, bien sûr. J'aime bien ce front kick là, je sais pas quel opener j'ai droit derrière. Ouais, y a moyen de feinter les trucs. Attention, hein, je vous préviens, ça va jouer en casu. Hein. Voilà, Chronostal, merci beaucoup. C'est la fièvre, la Tekken Fever. Alors, la question hein, que je me pose, c'est... Wouhouhou. Tiens, alors le front kick, c'est déjà mon meilleur coup. La question que je me pose, c'est est-ce que Tekken 8 ou est-ce que n'importe quel jeu de baston va pouvoir reproduire la grande fiesta la grande fiesta que fut Tekken 3 sous le Calibur, qu'en fait tout le monde... Fut un temps où les gens ne parlaient que de jeux de baston, quoi. C'était le genre phare. S'il y avait un jeu à acheter sur une console, c'était un jeu de baston. Est-ce que un jour, parce que si on avait les stats du nombre de gens en train de jouer à Tekken 3 au même moment à l'époque de la PlayStation 1, je vous assure qu'on pèterait des plombs. Alors pour moi, Get ready for the next battle. Putain mais ça enchaîne. Ce ton est révolu, mais reste à savoir ce qui va se passer avec le fighter de Riot Games. Est-ce que ça va rester de niche? Est-ce que ça va percer comme Valorant? Est-ce que le FPS de Riot Games, personne n'y croyait à la base. Enfin genre pour moi c'était une blague. Bon, pour l'instant, pas de doute, on joue à Tekken. Ouais, il y a une stance où il reste sur un pied, ok, d'accord. Et du coup, je pense pas avoir un Warang, hein. J'ai juste le ronron patapon de Tekken 3 hein, dans les doigts. Par contre, il faut bien avouer que c'est joli ce qui se passe. Mais j'aurais préféré un mode arcade où je... Ah non, mais je suis en mode histoire. Putain, c'est le mode histoire du personnage. Histoire, hein. C'est pas du tout un espèce de mode arcade bizarre. Ok, mon rival. Oh le ricain, c'est Steve. C'est le directeur de Tekken qui avait répondu quand... Enfin, les gens qui avaient dit genre ouais putain il y a même pas Eddie Gordo, il y a trop de... il y a pas assez de noir dans ton jeu et tout, et là genre mais attends mais... Et genre il a cité genre 5 persos noirs dans Tekken, genre hyper culte. Alors j'ai pris une Fury, mais en même temps si je connaissais le bouton Fury, t'inquiète, on l'aurait fait à chaque round. Hein. C'est bien un Rada. J'ai l'impression que Warang, hein, c'est le jeu de jambes, hein, surtout. Hein.
Ah merde, je chope dans le vent. Ah, c'est R1. Ça tape fort, hein. D'ailleurs, il y a eu un jeu d'arcade de taekwondo hyper balèze, hyper technique et pourtant en 2D, mais avec des animations vachement bien fichues. Je sais plus comment il s'appelle. Ouh! Attends, là, il avait barré ou quoi? R1 pour le hit, R2 pour le rage art. Alors, est-ce que quelqu'un peut me briefer? Alors, R1 le combo, R2 le final. Rage, c'est la super hit, c'est le V-trigger. Rage, c'est la super hit, c'est le V-trigger. Ok. Mais de la moto! Oh putain, Kazama se baladait! Putain, mais en fait, la mise en scène des scènes cinématiques a à peine évolué depuis Tekken 2. Ça donne envie de mettre. Pour casser avec toi. Si vous êtes fou. Tekken, ça se passe dans un monde où tout le monde est un main perso de Jojo, quoi. Vite! Et ils firent la course jusqu'au motel le plus proche pour prendre un waterbed. Magnifique, franchement, un Oscar tout de suite. Par contre, en fait, bah, je suis un peu déçu parce que je voulais que ça change de décor, je voulais voir, je voulais rêver, quoi. Voilà, l'arcade. Alors, c'est quoi quête arcade? D'incarner votre propre avatar à travers différentes salles d'arcade, ton familiarise les combats de Tekken. Bon, attendez, on se fait un petit mode arcade avec un vrai avec un perso normal. On va jouer en moyen. Je suis plutôt de gauche. Oh 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 oh! Ah, mais Kuma et Panda, c'est pas un palais de swap? Mais moi je cherche Gon, hein. Prends Yoshimitsu STP. Ah, ouais, mais. Bon, Yoshimitsu c'est devenu un perso de Tsuka, hein. Le mec se bat avec un katana et il est même à... on sait pas trop s'il est vivant. Oh, mais Leroy, comment tu veux faire plus cool, quoi? Après, je suis curieux de Paul parce que bordel, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il a pris combien de kilos? Sur carré. Ah. Waouh, il y a les coups. Ah voilà. On n'est pas là pour écoutez. Je veux bien acheter tous les nouveaux jeux de baston, mais il faut que ça ressemble en plissant les yeux au même jeu depuis 30 ans. Là où c'est là où on en est. C'est très important. Dans 50 ans, je veux faire Ryu contre Ken, Hadouken, Hadouken. Et je veux faire bas avant triangle avec Paul Phoenix. Eh, attends, quoi? Il est où le bas avant triangle? Ah non, c'est bas arrière. Attendez, il y a un problème. Ah, c'est carré? Fight. Ah mais c'est as, en fait faut le faire très proprement. Faut faire vraiment bas avant, quoi. Non mais ça sort pas du tout comme je veux. L'astuce c'est de rester appuyé sur avant à la fin, ok. Bon là on est sur une version arcade donc.
Ça va changer. Là, on va être sur le stage de Paris. Par contre, c'est beau de ouf. Parce que ça, c'est bas avant carré. Là aussi, c'était bas avant triangle, quoi. Une fois sur deux, j'attends que ça fait autre chose. Faut faire un beau quart de cercle ou... Chasser. Faut être assez propre, ok. Bon, après, si ça devient une chop... Si le mauvais pif, c'est une chop spé, c'est pas très grave. Hein. Ouf. Petite prise à la John Wick. Par contre, comment les mecs de Tekken n'ont pas la gerbe après avoir fait 5000 roundhouse par round? Oh, il y a un côté has-been poivreau là, Paul. C'est pas du tout l'idée que j'en avais. Oui, il faut bien qu'il vieillisse, mais Jin Kazama. On devrait être à son petit-fils à lui. Mais oh, Tekken 3, ça a 25 ans. Pourtant, Jin est toujours en mode genre, eh, putain. Ah oui putain, ça c'est vrai que c'est... Attends. Ouh, oh yeah, yeah. I'll show you. Ous. Wouah, putain, c'est tellement... C'est tellement Aïn dans... Ken 2. Ça, je me souviens que ça faisait mal. Hein. Après Tekken. Ah oui, là j'ai pas la frame pour choper pendant l'ulti. Hein. Imagine. Oucha. Je sais pas avec quoi follow, hein, mais... Putain, elle est rapide. Ce vieux sac, là. Putain, et la distance de chop, elle est courte, hein. De toute façon, moi, je voulais jouer à Kuma. R1, tu peux l'enchaîner, c'est-à-dire tu fais R1, R1, R1. Get ready for the next battle. En tout cas, pour moi, Tekken, s'il y a bien un jeu qui avait pas besoin de mode moderne dans les contrôles, c'est bien Tekken. Hein. Wow, voilà, là, le niveau de détail enfin, sur une grosse télé, c'est tellement claqué. Et Bazaba, pourquoi tu t'es pas fait un setup où tu joues avec sur une grosse télé? Oh putain, nul à chier mon polo là. Tiens. Oh putain, j'avais une garde basse. Mais Paul ne peut pas rivaliser avec un mec qui est une usine électrique, enfin genre. Oh
Et tu vois, par contre, tu sens que c'est un grand Tekken. Genre, sous Calibur 6, tu sentais qu'il y avait une arnaque. Tu sentais que t'allais lâcher le jeu très vite. Franchement, là, le Tekken, il est taillé pour faire la loi sur PS5. Hein. Tiens, dans les couilles! Culé! Je te roule sur la gueule! Avant, triangle carré. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, parce que ce genre de jeu de baston, surtout Tekken. Parce que Street Fighter, c'est pas pensé pour être fluidifié avec des systèmes de machin, genre de faire carré, triangle, machin, bidule. Genre, c'est très peu ça. C'est vraiment du poke. Si tu fais n'importe quoi avec la manette, il va rien se passer. Tu vas pas sortir des 12 hits de combo. Tekken, il faut comme un beat'em up que les premières patates fassent mal et que tu sois content de ce que tu branles, même si tu fous n'importe quoi. Donc apparemment, il y a déjà des détracteurs du fait qu'il y a des furies. Il y a des ultis sur un bouton en plus. Round 1. Enfin, cette skin de Kuma là, elle est fantastique. Par contre, ce qui est bien, c'est que Tekken n'a pas commencé à devenir autre chose qu'un jeu vidéo. Et c'est peut-être le problème de Virtua Fighter, c'est que il s'est pris au sérieux très vite. Et en fait, la série de Sega qui avait le plus what the fuck. C'est quoi? Il se redonne de la vie? Ah non, putain, ça devient un missile, ok. La série qui avait le plus de potentiel, finalement, de reprendre Tekken à son propre jeu. Vous me dites si vous l'avez, c'est un jeu sur Saturn qui sortait totalement du lot, mais qui était, franchement, qui avait un gameplay incroyable. C'était Fighters Megamix. Fighters Megamix, c'était la grosse poilade, mais pourtant tous les personnages avaient 60 combos. Tu pouvais taper dans un mode training vraiment excellent pour l'époque. Il y avait 50 persos. Tu pouvais jouer un espèce de haricot sauteur, il y avait des persos de Sonic, des persos de Virtua Fighter. Et tout mélangé. Et en vrai, franchement, si cette série avait perduré, plutôt que d'essayer de faire du Virtua Fighter, même si je suis sûr qu'en arcade, il y avait plus de demandes au Japon pour un Virtua Fighter 5, on va pas se le cacher. Virtua Fighter 5 est une perfection. Aujourd'hui, on aurait Fighters Megamix 6. Ce sera un concurrent sérieux à Tekken. Tu peux jouer avec la voiture de Daytona qui met des coups de pneus. Ouah, attends, le costume de Où est Charlie? Pour King? En vrai, King, j'ai toujours eu envie de jouer avec parce que les persos à shop, c'est tellement satisfaisant de mettre des gros grabs sales. En fait, une fois sur deux, mon bas avant triangle, il est pas propre. Il va falloir faire un stage chez Genius. Non, par contre, merci Namco d'avoir fait un jeu vraiment next-gen, vraiment... Aïe aïe! Vraiment next-gen, ultra fluide, avec des décors fouillés et pas un espèce d'effet de focal qui gâche tous les détails de votre décor et qui rend le jeu instreamable en plus, comme... Ouh! Il part ça quoi. Tiens, prends-toi un coup de tatane. Enfin, le bouton est quand même sensible hein, parce que j'ai pas voulu faire une chope là. Du coup qui rendait le jeu instreamable comme sous Calibur 6. Pour moi est un assez gros gâchis, ne serait-ce que stylistiquement.
quand Tekken et Street Fighter. Alors j'en parle assez souvent, mais à la Gamescom 2010, ils avaient montré le modèle de Ryu sur le corps d'un palais de swap de Paul, le visage de Ryu pensé pour Tekken X Street Fighter. J'en ai pris une photo. Wouah ! J'en avais pris une photo de ce screenshot. C'est le seul work in progress qui a jamais été montré du jeu. Je n'ai vu l'info reprise nulle part. Ce screenshot, franchement, à part sur mon Twitter, je ne l'ai jamais vu. Et j'ai cherché pour essayer de ne pas dire de trop de conneries. Wow, Frank Miller toujours à l'heure, c'est pour toi cette victoire. Oh aïe aïe. Pour le pile driver. Ah oui putain, ça fait très mal. Cette victoire c'est pour toi. Le mec meurt dans la seconde. Oh putain, j'ai réussi à dégrabe le Giant Slam, ok. Aïe aïe aïe. Alors après on a voulu jouer en médium hein. Donc arrivé à un certain moment le CPU il estime que tu étais censé savoir jouer. Round 1. Fight. Des fois je fais avant. Rond et il fait pas le même coup circulaire avec les deux trucs. Tiens, tac. Je suis sûr que j'ai des bons. Il y a des meilleurs trucs à faire hein, quand le mec est tombé par terre, mais bon. J'ai pas 12 Tekken dans les pattes. Et sur Tekken 3, j'avais même pas un Paul, hein, donc. Tu vois, genre là, pourquoi ça a pas fait le vrai coup qui gagne? Peut-être par rapport à ma position qui est pas assez neutre, il y a. Je vous jure que je fais pas avant qu'il triomphe quoi. Aïe aïe aïe! Et là c'est sorti. I'll kick your ass. Là. Ah non mais je sais que la théorie c'est un quart de cercle. Est-ce que vous avez déjà vu louper un Hadoken? Je ne crois pas. Je vous jure que une fois sur deux, il me fait un espèce de coup de coude qui peut finir en mini shop, ou alors il fait son espèce de coup de paume vers le haut. Je ne sais pas pourquoi. Je vous jure, je fais des quarts de cercle. Hein. Round 1. Fight. Wouah putain, il apparaît tout ça. J'étais resté appuyé sur avant à la fin, je crois. Merde, putain, mais en fait je vois pas où est ma jauge de furie. Bim.
petit papier qui a gagné. Putain, on a vraiment buté que sur King. Hein. Ah oui, d'accord, il y a Devil Kazuya, ok. Round one. Sous ma barre, près du chrono. Mais attends, mais quand est-ce que j'ai droit au R2? Quand est-ce que j'ai droit au R1? Parce que genre... Ah, le R1, j'ai droit. Ok, j'ai 3 barres. Stackable. Très beau décor, mais si là, les vagues, elles sont un peu anciennes. Je suis sûr que j'ai fait un putain de quart de cercle, j'ai l'impression d'avoir la berlue quoi. Je dois choper comme un malpropre. R1 c'est la barre bleue, R2 c'est quand t'as plus beaucoup de vie. Ah ok. Ah oui d'accord, ok bon, d'accord, c'est un reverso aussi. Enfin, c'est un comeback. Ouais ben je préfère me taper 6000 de Devil Kazuya que 2 King. Je pense qu'il aurait pas fait long feu. Bravo, t'as perdu. Waouh, on a débloqué Evil Kazuya. Oh là là. Et le Tekken Ball, est-ce que vraiment il y avait de la demande alors que moi je préférais 100 fois le Tekken Force? On joue à du vieux jeu. Oh là là, est-ce qu'on fait un perso? Alors, est-ce que tu peux faire un perso que t'aimes bien, méconnaissable? Ou est-ce que tu peux vraiment créer un bonhomme? Oui et non. Je sais pas, genre... D'accord. C'est quand même. Ouah, le maquillage bresson. En mode ça. Non mais. Ah ouais, tu peux vraiment faire Conchita Wurst ou Harangue. Ouah, 250 000 pour le style Tekken 6. Ah ouais, attendez, j'ai peut-être payé un peu cher, ça. Et la couleur? Non, la couleur, je la bouge quand? Quand j'ai la couleur. Il y a beaucoup de choses. Mais tu peux pas preview? Voilà, merci. 1 million. Ouah putain, il a la classe par contre. Il va avoir la tenue de Jin parce que c'est son rival. Son boyfriend plutôt. Il y a des trucs très très cool hein. Par contre, c'est cool de pouvoir se faire des petits palais de swap perso. C'est quoi cette outline rouge qui apparaît, quoi?
Ça, c'est le plus noir qu'on a. Ok, d'accord. Ah, tu choisis la deuxième couleur. Aïe 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 aïe. Dans ce troll de pouvoir jouer à Tekken avec tes persos en mode Street Fighter. Ouais, le truc de Freddy Krueger, il y a tellement de choses. Ah oui, et ça c'est gratuit. Ça je l'avais déjà. Bah putain, ça sert à rien d'acheter. Non, et ce tourni quoi. Mais attends, du coup. Oh, le visage entier. Non mais ça veut rien dire ça. Une miche de pain géante. Je suis VLC. En fait, j'allais dire. Ouais, les lunettes, ça c'est cool. Ils ont pensé aux lunettes comme un élément à part entière. Attendez. Il y a quand même des choses que tu peux faire. Vu que j'ai acheté cette truc là, je peux mettre des cheveux. Oh. Regardez. Hop. Et là, c'est Ace Attorney. Ouais, attendez, il n'y a même pas le pantalon qui va avec le costume. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, et en plus il y a les couleurs. Oh, fantastique. Et attends, et du coup sur son haut du corps là, est-ce que je peux changer la couleur de la cravate pour la rendre deux fois plus rouge? Oui. Oh là là, oh là là. C'est magnifique. Franchement, ces jeux qui nous font plaisir. Oh, il y a des accessoires. Mais ça veut rien dire. Alors la guitare dans le dos, ça me rappelle effectivement Fighting Vipers. Oh, les épaulettes de Ken le survivant. Ça donne envie de péter un plomb. Une glacière. La reine des abeilles. Ah oui, d'accord, tu peux vraiment go full drag queen. Y'a aucun problème. Un putain de space 12. Ça veut rien dire. Mais pourquoi il aurait ça? C'est ridicule. J'ai pété un plomb là. Ouais, il peut avoir un... Tu peux être The Crow. Ouais, t'as tout le temps un cornback. Mais c'est magique. C'est fantastique. Ah ouais, non mais franchement, ils vont loin. Bon, en plus tu peux les cumuler. Oh là là. Waouh, les styles. Waouh. Dommage, il n'y a pas une version pixel. En fait, vous savez ce qui aurait été encore mieux que tout? Parce que Street Fighter 6 te propose de come in avec un personnage en pixel art façon Super Street Fighter 2. Qu'est-ce que j'aurais kiffé avoir un personnage en mauvaise CG
de 93 là. Genre avec vraiment les nez pointus, des vieux pixels dégueulasses, et puis vraiment en mode poupée de cire mais à l'ancienne. Moi j'aurais kiffé. Hein. Choisir ton aura. Mais ça n'a plus de sens ce qui se passe. Dans mon pied. Aura de la jambe flamboyante. Qui ultime vert. Wouah, tu peux tellement être un perso de quelle survie. Oh là là. Oh les effets de coups. Ouah, tu peux changer. Oh là là. Oh là là. Ils ont fait trop le taf. Le fond vert pour après retoucher ses propres photos. Ah oui, d'accord, ok. Bah, faut maintenir la touche tactile. C'est bizarre. On peut pas prendre de voir l'animation. Ça ne veut rien dire, ça. Mais ça donne envie de passer toute sa vie dedans, dans ce mode. Allez, terminé. On sauvegarde, bien sûr. Voilà, donc là, on a un Warang stylisé. Ok, Paul. Fais rien pour attendre. Ouais, mais ils ont pas respecté Paul, par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, par contre, si vous aimez les détails... Waouh, le. Oh là là, il y a tellement des trucs trop cool. Alors ça c'est, je sais pas quel Tekken. Wow. Ouais. Ça c'est mon pôle. Bon, par contre, on se calme. Tu reprends tes cheveux. Tu as les cheveux de Benny Maru dans King of Fighters. On va même pas faire semblant. Ils sont eux-mêmes les cheveux de Paul Narev. Je prendrai Paul, le grand maître du karaté. On va kiffer avoir ces cheveux-là. Merde, putain, je voulais les tester. Je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de faire.
Ouais, non, ça va être ceux-là, hein. Y a pas trop de doute, hein. Ils peuvent être vraiment jaune pisse, les trucs, hein. Les cheveux or, enfin... Bon, comme ça... Pilosité faciale, aucune. Ouah, pas compatible avec le bandeau. Oh là là. Mikael n'a pas de bandeau, donc c'est très bien. En fait. Pas tout confondre. Oh, il a l'air d'avoir tellement de tenue trop classe. Aïe aïe aïe. Ah merde, attendez, non, les pieds, wow. Ouah, c'est pas compatible avec le style Tekken 3. Alors attends, est-ce que en fait dans les trucs y a pas littéralement... Est-ce que de toute façon tu peux pas le faire? Le pantalon de kimono, tu vois ce que je veux dire? Et du coup quand tu l'achètes pour un seul perso ou pas? Là on commence à être bien. Bon ça c'est... Mais on va mettre du rouge pétant. Là, j'ai l'impression que c'est le noir noir. Voilà. Est-ce que les gants sont pas plutôt marrons sur Ken? Ça c'est la ceinture. En fait, y a pas la couleur des gants à changer. On peut voir. Franchement, là, il est assez satisfaisant. Hein. Ça, il ressemble à rien, mais genre, il est parfait, tu veux dire? Bon, là, par contre, il faut vraiment, c'est en bonnet blanc et blanc bonnet. Il y a juste les cheveux, hein. Je suis pas giga convaincu, mais si comme ça, je suis sûr qu'en combat ça va le faire. Mais oui, c'est bon, c'est lui. Il fait peur par contre. I'm in top condition. Non, non. Il fait trop peur. À un moment, il fait ouh. Putain, c'est magnifique. Enfin, il y a un petit. Ah, c'est juste avant. Putain, j'aimerais qu'on puisse. Oh, là, là. Magnifique.
Ah, mais je me rends compte d'un truc, c'est que Ken a les sourcils noirs. Voilà, ça change tout. Non mais c'est magnifique, franchement, je suis trop content. Du coup... Contente le mode arcade en hard. Marc, c'est pour se faire laver, c'est pas grave. Hein. Tomb Raider Trilogy Remastered, aucun intérêt. Donc là, tu fais carré et tu vas chercher ton. Regardez-le, il est là, il est magnifique. Merci Harwald pour les 29 mois. Regardez-le. Oh yes, putain! C'est trop bien! C'est un peu Paul Bigard. Ah merde, je crois qu'on a pas changé ça. Voilà, là, c'est trop bien! Oh là là, voilà! On n'aura jamais Tekken X Street Fighter, mais on peut faire semblant! Waouh, ok, le mode hard, ça a l'air compliqué. On a déjà Ken à la maison. Mais attends, la différence entre le mode difficile et... Ouah, c'est trop bien. Ah, c'est vraiment la Tekken Street, on a Tekken X Street Fighter à la maison. En fait, j'ai pas changé le. La carte de versus du perso. Mais bon, il y en aura aucune qui ressemblera à Ken de Street Fighter. Mais j'imagine en ligne, le mec se ramène avec son pôle comme ça. C'est trop bien. Mais regardez-le. Mais là, ça, c'est ça qu'il faut changer. Par contre, franchement, est-ce que Panda et Kuma avaient besoin d'être à deux persos? Alors là, il n'y a pas les deux versions de King séparées, quoi. Parce que c'est quoi, c'est King et Kinder Maxi King? Je crois. Mais regarde. C'est trop bien. Armor King, oui. Et là, l'image, au moins, tu sais que ça va être un custom qui a débarqué. Oh putain, c'est trop la classe! Pouah, avec mon cosmos! Ah, mais oui, putain, j'aurais dû lui mettre des effets bleus et tout, le Paul Phoenix. Voilà, c'est trop la classe. C'est trop bien. Yeah.
et il est où le kangourou et le saurien là? Il y a un vélociraptor avec des gangbops, hein, vous allez pas m'enculer. Hein. Armor King avec l'autre personne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y avait vraiment tant de fans de Kuma et de Panda pour qu'on n'ait pas Armor King ni le kangourou? Non, non, je parle pas de Gon pour le saurien. Oui, il y a pas Gon, mais Gon c'était une collab. Il vient d'un manga, Gon, c'est pas. Là, je t'ai cassé les pattes, le panda! Oh putain, c'est trop bien d'avoir il se sortit. Et voilà, il s'appelait Alex. Ah là là, c'est trop cool! Get ready for the next battle. Perso de Mortal Kombat 100%. Round 1. Fight. Attendez, je suis désolé, hein, il faut qu'on aille changer les trucs. Hein. Mon pôle n'est pas parfait. Hein. Ah, il y a pas Mokujin. Juste que il y a certains, je pense, j'aurais pensé qu'il y aurait plus de gens déçus de pas avoir bah, Mokujin ou Armor King, et pourtant il y a Kuma et Panda sur deux slots différents quoi. Et bon, et elle sait bien sûr. Le jeu là, il est pensé, ils vont te le vendre pendant 6 ans. Parti. On va modifier ce Ken Bigard là. Jojo Bigard. Alors attends, on avait dit. Ah oui, son aura. Bah oui, non, non, mais faut qu'il ait une aura bleue. Alors il a les traînées bleues, ok. L'électricité bleue. C'est un peu de ado, quoi. C'est dans le pied, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux ça? Ou l'électricité? Il y a un peu les deux hein, dans Street Fighter. Hein. Les effets de coups, faut que ce soit le ado 100%. Dans les accessoires, il n'y a rien qui puisse faire un peu plus Street Fighter. Enfin, de toute façon. Il manque des ceintures. Arrêtez. Franchement, je suis très curieux de voir les persos que va faire Karaté. Attends, pendant l'animation, tu peux turbo-zoomer. Cette grosse gueule. Bon là, on l'a. Oh, il est parfait. Ah non, putain, on n'a pas changé la carte. Attendez. Un peu Street 3. Mais attends, mais. Pourquoi il fait style. J'ai pas.